Bonjour, bienvenue sur la chaîne TTS ici. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude. On va aller faire un escape game, c'est l'escape game Majestic. Et c'est sur le thème Oggy et les guépards. On doit retrouver Oggy. Voilà, donc on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là on est à Châtelet, on va marcher parce qu'on est un peu en retard. Je vous laisse avec maman. Donc espérons que cette vidéo va vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et à activer la cloche comme ça vous permettra d'avoir toutes nos dernières vidéos. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse justement ce type de vlog un peu sorti. On vous fait des gros bisous et on vous montre ça. A très vite. Non, c'est une vidéo. Il y a un monsieur qui va nous ouvrir la porte pour faire l'escape game. Escape game. Escape game. Donc on est arrivé et puis finalement c'est fermé. Donc c'est indiqué ils ont 10 minutes avant, donc on doit patienter. On est un petit peu en avance. Combien de minutes en plus? Et on veut. On suit le monsieur. Que tu vois quelque chose, tu le dis, d'accord? Ouais, tout simplement, ça peut être un indice. Pour résoudre les énigmes, justement, il faut trouver les indices. Et pour trouver les indices, il faut fouiller dans la salle. T'as le droit de fouiller absolument partout. Hein. Là, c'est pas comme dans ta chambre, c'est moi qui range. Donc, du coup, t'as le droit de mettre le bazar. Fouille de préférence avec les doigts plutôt qu'avec les yeux. Il y a des choses dans des trous, dans des coffres, donc tu pourras pas les voir. Donc, essaye de toucher pour tout bien voir. Très bien. Est-ce que vous connaissez tous Oggy et les cafards? Oui. Donc, votre mission, ça va être de voyager dans le temps pour retrouver les 4 morceaux d'Oggy qui sont sous forme de cube. Évidemment, pour cette mission, vous ne serez pas tout seul. On restera en contact par le biais de ce téléphone qui vous servira à voyager dans le temps. Comme vous pouvez le voir sur ce téléphone, il y a le temps qui vous restera avant d'être coincé entre deux époques. Et si jamais vous êtes bloqué, je vous envoie un message. Regardez ça. Oui, allez, vas-y. Tu récupères le sac et c'est toi qui vas mettre Oggy dedans. Petit conseil pour ces deux accessoires, ne les oubliez pas si jamais vous arrivez à changer d'époque parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, toujours bien les avoir avec vous. Okay. Voilà. Et ce qui est dans une époque reste dans une époque. Si vous avez un indice qui vous a servi ou non et vous devez changer de salle, laissez l'indice dans la salle en question. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? T'as des questions, Titi? Alors, Titi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'était très bien. Juste dans le vestiaire spatial, en fait, quand j'ai voulu m'asseoir, je me cognais. T'as glissé un petit peu? Et ça t'a fait peur ou pas? Oui, ça m'a un peu fait peur au début. Et tu voudras recommencer ou pas trop? J'ai envie de recommencer. Bon, ben voilà, c'est terminé. Donc finalement, ça a duré une heure. On est passé dans 4 salles différentes avec des thèmes différents. Nous, ce qu'on avait choisi comme aventure, il fallait retrouver... Donc c'était Oggy et les cafards. Il fallait retrouver des morceaux d'Oggy. Et j'ai trouvé Oggy. Et Tiana a réussi à trouver Oggy. Et donc finalement, il y a des énigmes, il y a des jeux. On est passé dans ce vaisseau spatial. Enfin, il y a plusieurs thèmes de salles différentes, des pyramides et autres. Et en fonction qu'on résout l'énigme, on va dans la salle... Oui, c'était le thème de la momie, la première salle, enfin c'était des pyramides. Et Titi a eu un petit peu peur, mais sinon ça valait le coup. Après une heure, c'est quand même intense et ça passe vite. Ouais, c'est terminé, on va retourner à la voiture. Donc ce qui est bien, donc, c'est la station, donc, c'est Châtelet-les-Halles. Et donc on s'est garé au parking des Halles. C'est vraiment juste, le parking est juste à côté. C'est hyper pratique. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu court parce qu'on n'a pas eu la possibilité de filmer à l'intérieur parce que c'est confidentiel. Hein. Mais c'est une activité que je recommande quand même pour les enfants. Ça permet de faire réfléchir. Là, on était 3 et je pense que vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes dans le... N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à liker, et on fait plein de gros bisous. Au revoir et gros bisous.